J'espère que vous allez très bien. Nous n'allons pas durer. C'est pour faire passer un message très important à la population ivoirienne, au peuple ivoirien. C'est très important. Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable bien et bien complet tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas fourreau aux yeux, l'homme qui ne mâche pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la ville, l'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur Bordon, appelez-moi, vous laissez-moi mourir 5 heures plein de royal, patrino, camarade, des eaux ou la mouille. Alors nous voilà à nouveau devant cette caméra pour parler de ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Vous savez, Guégué Complet était déjà averti depuis hier nuit. Lorsqu'on quittait Paris pour la Belgique, on était déjà averti qu'en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, des événements allaient se produire. Et certaines patronnes demandaient à leurs employés de ne pas venir au boulot car il allait avoir une guerre aujourd'hui. Mais nous, on savait que ce n'était pas une guerre, c'était juste ces gens qui sont teigneux, têtus, qui allaient se manifester encore de plus parce qu'ils ne comprennent rien. On leur donne des conseils, des gens qui sont, qui ont des oreilles durant trois, qui refusent d'entendre ce qu'on leur dit comme conseil, ce qu'on leur donne comme conseil. On était déjà au courant. B69 et moi, pendant qu'on venait, on a reçu un appel d'Abidjan qui nous a dit qu'aujourd'hui, il allait avoir des événements sur toute l'étendue du territoire ivoirien. On était informés. J'avais voulu faire une petite vidéo hier nuit pour avertir le gouvernement ivoirien, pour dire, bon, le gouvernement ivoirien doit être prêt, hein, parce que des événements allaient se produire aujourd'hui. Mais je me suis dit, bon, le gouvernement ivoirien est informé, il y a des affiches de renseignement, et donc les appels sont contrôlés. Donc si quelqu'un a émis un appel pour nous informer, c'est que le gouvernement ivoirien est au courant de ce que la personne a dit et tout. Donc, bon, j'ai décidé vers la fin de ne pas faire de vidéo. Donc, j'étais déjà informé, B69 était déjà informé, chacun a essayé d'appeler ses parents pour demander ce qui se passe, qu'est-ce qui se prépare pour avoir assez d'informations sur les événements qui se préparaient. Donc, j'étais déjà au courant. Mais en même temps, je savais que beaucoup de personnes étaient déjà aussi informées pour ce qui devrait se passer aujourd'hui et le gouvernement ivoirien savait déjà cela. Vous savez, population de Côte d'Ivoire, peuple ivoirien, et j'aimerais m'adresser aux militants et militantes du RADP. Les Ivoiriens qui aiment la paix, les Ivoiriens qui rêvent d'avoir une Côte d'Ivoire stable, une Côte d'Ivoire émergente, une Côte d'Ivoire prospère, j'aimerais m'adresser à vous. Ne tombez pas dans le piège de l'opposition. Oui, ces militants criminels qui refusent d'entendre les conseils, qui refusent d'appliquer ce qu'on leur demande de faire, c'est-à-dire la bonne démarche, le bon comportement au sein de la société, comment il faut se comporter au milieu des uns et des autres qui refusent d'appliquer cela et qui font ce qui leur semble être bien pour semer le chaos. Vous savez, militants et militantes du RADP, c'est un piège. Ceux qui sont épris de paix, ne tombez pas dans leurs bêtises parce qu'ils vous poussent à réagir et créer des tensions, une confrontation pour que le gouvernement ivoirien à son tour puisse perdre le contrôle de la situation et leur permettre de réussir ce qu'ils sont là préparés ou ce qu'ils prévoient obtenir dans le futur. Donc, les militants du RADP, vous devez savoir raison garder. Restez chez vous. Ne tombez pas dans leurs bêtises. On sait que nous sommes majoritaires en Côte d'Ivoire. Et cela a été démontré à plusieurs reprises lors des différents déplacements de notre patron, de notre champion, son excellence, monsieur le président Alassane Ouattara, aujourd'hui candidat aux élections présidentielles de Côte d'Ivoire, qui se déroulera, cette élection qui se déroulera le 31 octobre 2020. On sait que on a démontré aux yeux de l'humanité tout entière que nous sommes majoritaires et que ceux qui manifestent dans les rues, ils sont du côté de la minorité. Mais ils font assez de bruit,
Il provoque la majorité pour pousser la majorité à réagir. Quand je parle de la majorité, je parle de tous ceux qui font partie du RADP et toutes celles qui font partie du RADP. Ils ne font que nous provoquer. Ils ne font que nous pousser jusqu'au dernier retranchement pour nous permettre de réagir à la provoque, à la provocation. Une fois que nous réagirons, alors cela va dépasser l'entendement du gouvernement. Parce que tant qu'ils feront cela et que nous ne réagirons pas, le gouvernement aura toujours la maîtrise de la situation. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire par là? C'est-à-dire, un, s'ils font, et puis nous on ne réagit pas, on les regarde, le gouvernement va réussir à les maîtriser. Mais ce qu'ils font, si nous réagissons, mais ça va péter partout. Ça va dégénérer partout. Mais si ça dégénère partout, sur toute l'étendue du territoire, dans chaque village, dans chaque ville, dans chaque région, pensez-vous réellement qu'Alassane Ouattara puisse maîtriser cela? Il ne pourra pas maîtriser la situation. Voilà pourquoi je fais ce petit direct pour demander aux militants et militantes du RADP de ne pas tomber dans la provocation. S'ils veulent qu'ils brûlent les roues sur les voies qu'Alassane Ouattara leur a offert, qu'Alassane Ouattara a offert à la Côte d'Ivoire, s'ils sont fatigués de ces voies, qu'ils brûlent les routes, mais ils trouveront sur leur chemin la justice ivoirienne. Ils trouveront sur le chemin la police ivoirienne. Ils trouveront sur le chemin la gendarmerie ivoirienne. Ils trouveront sur le chemin la loi ivoirienne. Ils seront jugés et ils seront arrêtés et accompagnés dans une bonne chambre luxueuse qui se trouve au sein de la Maca. Ils resteront là-bas et ils compteront les toits de la Maca. Si c'est ce qu'ils veulent, mais laissez-les faire. Ne tombez surtout pas dans leur piège, s'il vous plaît. Militants et militantes du RADP, rester calme ne veut pas dire que vous avez peur de la jeunesse de l'opposition. Rester calme ne veut pas dire que vous avez peur des hauts cadres de l'opposition. Rester calme veut dire la sagesse, veut dire que vous contrôlez la situation, veut dire que Alassane Ouattara n'est pas effrayé, veut dire que Alassane Ouattara n'est pas perturbé, veut dire que Alassane Ouattara, il est imperturbable. Alassane Ouattara, il contrôle tout. Alassane Ouattara va gagner. Parce que si nous tombons dans leur piège, nous risquons nous-mêmes de boycotter ces élections. Donc c'est le piège qui nous tend. Parce que si on tombe dans leur bêtise, ils nous poussent dans les rues aussi. Parce que si on veut réagir, on va descendre dans les rues. Mais oh, nous sommes majoritaires. Mais si la majorité sort, est-ce que le gouvernement pourra maîtriser cette majorité? Parce que dans cette histoire, hein, ce qui se passe, dans cette histoire de désobéissance civile, si on tombe dedans, ça veut dire de façon inconsciente, on est en train de désobéir au gouvernement ivoirien. C'est-à-dire on leur donne aussi la chance de faire perdre le contrôle, hein, de la situation vis-à-vis du gouvernement. Parce que eux, ils ne font que faire la désobéissance civile, mais ils sont minoritaires. Donc ça permet au gouvernement de contrôler la situation. Mais nous qui sommes majorité, on vaut des milliers d'Ivoiriens. Je parle de millions d'Ivoiriens. Donc si ces millions d'Ivoiriens sortent pour dire non, on va enlever ces gens-là dans la rue, on va rétablir l'ordre. Vous savez, quelqu'un qui n'a pas force de la manière il a bouche, de la manière il fait bruit. Non. Quelqu'un qui n'a pas force, quelqu'un qui est minoritaire, il sait qu'il n'a pas force, mais sa bouche, ça parle beaucoup. Ouais, on dirait des oiseaux qui sont nombreux, on dirait des abeilles. Les gens qui n'ont pas force, regardez-les, c'est comme ça qu'ils font. Donc, quand les gens ils sont minoritaires dans un pays, ils sont peu. Mais regardez comment ils se comportent. Ils font, ils parlent, ils font du bruit, on dirait des abeilles, pour se faire entendre. Maintenant, si nous, on écoute les petits bruits, les grands bruits, pour les suivre dans les rues pour dire on va rétablir l'ordre. Mais écoutez, c'est que on ne fait que réaliser leurs rêves. Parce que leur rêve, c'est de pousser, hein, le parti au pouvoir et pousser les militants du parti au pouvoir à réagir et tomber dans leur piège. Donc c'est un piège tendu. Ne tombons pas dedans. Quand ils seront fatigués, ils vont eux-mêmes quitter les rues. Quel que soit ce qu'ils feront, si nous ne les suivons pas dans leurs bêtises, les élections auront lieu. Mais si on fait l'erreur de les suivre dans leur connerie, les élections n'auront pas lieu. Alors, les élections se passeront si les militants et militantes du RADP
se maîtrisent, s'ils gardent leur sang-froid et qu'ils ne tombent pas dans le piège des militants de l'opposition. Donc la réussite de ces élections, le 31 octobre, et le coup KO se trouve dans les mains des militants et militantes du RADP. Je pense que je suis clair là-dessus. Je suis clair là-dessus. Parce que c'est un seul grain de riz qui peut faire pourrir tout un sac de riz. Mais si ce grain de riz perturbe les autres grains et que les autres grains ne prennent pas soin d'eux et se laissent emporter par ce petit grain de riz, mais eux tous ils vont pourrir. Et le propriétaire du sac de riz, il n'aura plus le contrôle du riz. Lui-même, il va voir que son riz est pourri, est décomposé, il va jeter ça en brousse. Parce qu'il ne peut plus consommer le riz. C'est ça le problème d'Alassane Ouattara. C'est-à-dire Alassane Ouattara étant président de la République de Côte d'Ivoire, étant le père spirituel de tous les Ivoiriens, de toutes les Ivoiriennes, et étant celui qui contrôle la situation sur toute l'étendue du territoire ivoirien, mais s'il y a des grains sales au sein de la nation qui sont ivoiriens, c'est-à-dire, je vais parler de ces petits Ivoiriens qui perturbent le sommeil des autres Ivoiriens majoritaires. Mais si les autres qui sont majoritaires, ils se laissent emporter par la manipulation de ces petits Ivoiriens criminels, s'ils tombent dans leur piège, mais automatiquement, toute la Côte d'Ivoire va s'embraser. Et Alassane Ouattara n'aura plus le contrôle sur son propre pays et les individus pour lesquels, ou bien pour lesquels il est président, il ne pourra plus contrôler ces individus. Et alors, qu'est-ce qui suivra? S'il n'arrive plus à contrôler ces individus, son gouvernement n'arrive plus à contrôler ces individus, ça va droit vers la chute de son pouvoir. Donc, pour éviter cette chute de son pouvoir, les militants et militantes du RADP doivent mieux se comporter. Maintenant, vous qui êtes dans les rues, vous qui vous laissez manipuler, partager le direct, partager la vidéo, parce que c'est nous, on fait le direct, vous, votre, hein, votre métier, c'est de partager. Parce que ça va sauver des vies. Ça va permettre à la Côte d'Ivoire de ne pas s'embraser. Ça va pousser les Ivoiriens à prendre conscience. Ça va pousser les Ivoiriens à savoir dans quoi ils sont, dans quel film ils sont et dans quelle manipulation ils sont. Quelle manipulation ils subissent. Les Ivoiriens comprendront assez. Mais si vous ne partagez pas, lui qui est en Côte d'Ivoire, qui se laisse manipuler par les gens de Paris, par les gens de Washington, par les gens de la Belgique, par les gens de partout, dans tous les pays, sauf pour la Côte d'Ivoire, mais ces gens-là, ils vont faire n'importe quoi. Or, si nous levons la voix très haute pour avertir ceux qui sont dans les rues, ils comprendront, ce ne sont pas des animaux, ce sont des humains, ils sont dotés d'un cerveau. La haine, on peut prendre le dessus, mais à un moment donné, la sagesse, on peut calmer la haine et pousser la haine à prendre conscience. Voilà pourquoi j'aimerais informer le peuple ivoirien. J'informe le peuple ivoirien aujourd'hui, vous qui vous laissez manipuler, brûler les voies, parce que allumer des roues sur des voies, ça n'a fait. Vous brûlez les voies sans le savoir, parce que le goudron, il se brûle. Donc, vous brûlez les voies. Vous brûlez les maisons. Vous brûlez les maisons. Vous brûlez les maisons des gens. Vous brûlez les véhicules des gens. Qu'est-ce que vous gagnez en retour? Vous brûlez les gendarmeries. Vous brûlez les commissariats. Qu'est-ce que vous gagnez en retour? Est-ce que c'est normal? Vous vous apprenez au bien des personnes non concernées. Est-ce que c'est normal? De votre part, excusez-moi, est-ce que c'est normal de votre part? Je pense que c'est anormal. Parce que les véhicules, les maquis, les restaurants, les gares que vous brûlez, est-ce que ce sont ces gens-là qui vous ont envoyé? Est-ce que ce sont ces gens-là qui sont les chefs des partis politiques? Est-ce que c'est pour ces gens-là que vous méritez? Non, ces gens-là ne sont pas là. Ces gens-là ne sont pas là pour vous. Ces gens-là ne sont que des simples citoyens qui eux aussi, ils se battent pour survivre. Donc, vous n'allez pas brûler leurs biens et penser que vous allez gagner en retour quelque chose de bien. Arrêtez ça quand même. Je pense que c'est anormal. Et ce qui se passe, on se conduit tout droit vers la guerre civile.
Mais est-ce qu'on connaît les conséquences d'une guerre civile? Une guerre civile, ça veut dire qu'il n'y a plus d'armée. Parce que personne ne contrôle plus quoi que ce soit. La police, hein, chaque policier, il se déshabille, il devient civil. Parce que c'est tellement chaud, lui-même, il court. Il dépose rien que s'il dépose au treillis. Il s'en va se réfugier hein, chez ses parents. Il s'en va se mettre à l'abri. Chaque gendarme fuit, militaire fuit, c'est mou. Quand je dis c'est mou, ça veut dire tout est désorganisé. Il n'y a plus de sécurité. Donc, tous les voyous, tous les bandits, tous les prisonniers, ils vont s'évader des différentes prisons. Ça va devenir un pays hors la loi. Chacun va macheter chacun. Toi qui avais mis ton voisin en prison parce qu'il t'avait volé. Toi qui avais mis ton voisin en prison parce qu'il avait fait quelque chose de grave sur toi. Ce voisin, quand il va sortir de la prison, il va venir macheter toute ta famille. Et puis, il n'y a rien parce qu'il n'y a pas de sécurité. Est-ce que vous avez déjà pensé à ça? Est-ce que vous avez déjà réfléchi à tout ça? Est-ce que vous prenez conscience de ça? Mais une guerre civile, il n'aura pas d'électricité. Mais écoutez, il n'aura pas d'électricité. Quel médecin qui va prendre le risque d'aller travailler dans un hôpital ou dans une clinique quelconque? Quel pharmacien qui va aller vendre un médicament dans une pharmacie? Ils vont casser sa pharmacie. Il n'aura plus de médicaments sur le marché. Les médecins ne vont pas aller au travail. Les hôpitaux seront fermés à moitié. Les machines, les équipements pour pouvoir soigner les citoyens et citoyennes du pays. Mais beaucoup de matériel vont manquer au pays. Mais médicaments ne vont plus rentrer en Côte d'Ivoire parce que les frontières seront fermées. Est-ce que vous comprenez? Non, vous luttez pour votre propre mort. Hein? Vous vous battez pour mourir vous-même. Ce n'est pas Ouattara qui va vous tuer. Ce n'est pas Alassane Ouattara qui va vous tuer. C'est vous-même qui allez vous tuer sans le savoir. C'est-à-dire, quand tu as le palu, tu es en ville, les médicaments ne vont plus quitter au village pour venir te trouver en ville pour te faire soigner. Tu ne vas plus manger parce qu'il n'aura plus de faire tout le gaz. La cuisinière, ça ne va plus fonctionner. Est-ce que tu comprends? Le charbonnier ne va plus pas te vendre son charbon. Quel charbonnier qui va aller servir charbon, ils vont prendre une machette pour lui taillader truc, son bras ou bien lui arracher une oreille. Mais personne ne va encore préparer. Ton père ou ta mère vont faire comment pour préparer nourriture pour toi? Tu as envie, tu as Abidjan, il n'y a pas charbonnier qui vend charbon. Charbon ne rentre pas. Il n'y a pas de gaz. Pareil, tous ceux qui ont les, comment on appelle les endroits où on vend les bouteilles de gaz, ils vont fermer. Donc tu manges comment? L'eau coupe, c'est un saut de scie là, va couper son eau. Et il n'y a plus l'eau de robinet. Tu fais comment pour te laver? Tu veux aller au puits? Mais on dit au dehors, il y a des machettes, guerre civile. Qui va te laisser aller chez lui pour puiser l'eau? Chez lui, mais tu ne vas plus te laver. Parce que tes bouteilles d'eau, là, ce n'est pas ça qui va te sauver. Hein. Tu ne vas pas prendre ça pour boire et encore préparer nourriture pour manger. Mais écoutez, est-ce que vous connaissez ce que c'est qu'une guerre civile? Les plantations seront brûlées parce que ton voisin, tu ne sais pas qui il est. Il connaît ton champ. Champ de cacao, champ de palmier à huile, champ de trucs d'anacade, champ de trucs, je ne sais pas, des VA. Ils vont mettre le feu. Il n'y a plus de pompiers pour aller éteindre le feu. Si ta maison prend feu, personne ne va venir te secourir. Et donc, vous comprenez les conséquences d'une guerre civile. Et ça va engendrer des millions et des millions d'individus. Pendant ce temps, ces politiciens pour lesquels vous vous battez, ils vont se réfugier dans les ambassades. Même si vous brûlez les maisons, comme celle d'Afi a été brûlée avant-hier par ses propres militants. Mais écoutez-moi, eux-là, ils ont des milliards dans des coffres forts. Ils ont des biens en Europe ici. Ils peuvent construire une villa de, je ne sais pas, 10 km carrés en un mois parce qu'ils ont les moyens. Mais toi, ton père qui est pauvre, il n'a rien. Ta mère qui est pauvre, elle n'a rien. Si on brûle ta petite maison d'une chambre salon, tu fais comment pour reconstruire sa propre maison? Tu ne sauras pas quoi faire. Et tu vas rester là pleurer avec tes gros yeux. Je vous demande de prendre conscience. Je vous demande de vous réveiller. Je vous demande de quitter la rue immédiatement. Vous vous battez pour qui? Non, votre avis, écoutez-moi bien. J'aimerais vous lancer un appel. Parce que j'ai constaté que Divo, j'ai vu la ville de Divo barricadée. Non, mais pas troisième mandat. Toi, Divoré, là, tu te bats là. Tu te bats pour qui? Je ne veux pas troisième mandat. C'est grâce à la Sainte Ouattara aujourd'hui. Divo Fresco, il y a eu une nouvelle voix qui a été butinée. Mais les autres pour lesquels tu te bats là, ils ont fait quoi? Ils ont apporté quoi à Divo là-bas?
Pendant qu'ils étaient là, il n'y avait pas de pauvres à Divo. Ou bien tous les Divolais étaient riches. Mais pendant ce temps, il y a des hauts cadres de Divo qui travaillent, qui ont travaillé dans le temps passé, dans les différents gouvernements. Ils n'ont rien apporté à Divo. À Lakota, les Dida, il y a eu des hauts cadres qui ont travaillé. Ils n'ont rien apporté à Lakota, à Divo. Vous avez la chance à la Sainte-Ouattara, qui est du Nord, mais qui aime les Ivoiriens dans leur ensemble, qui ne se base pas sur une ethnie quelconque, mais qui travaille et qui construit toute la Côte d'Ivoire dans son ensemble. Vous avez eu un président comme ça, au lieu de l'accompagner, au lieu de le soutenir. Non, nous on veut changement, on veut changement. Dans les pays où il y a beaucoup de changements, il n'y a jamais eu d'évolution, mes frères. Prenez le cas, les pays limitrophes de la Côte d'Ivoire, chaque jour changement. Mais il y a quelle évolution? Prenez la Libye. Les Libyens voulaient un changement. Changement, changement, voilà. Les Libyens aujourd'hui, ils pleurent. Si on savait, Kadhafi était mieux. Ça, c'est un premier point. Est-ce que vous comprenez? Les Libyens, ils pleurent, Kadhafi. Mais regardez le Maroc, le roi marocain. Ça fait combien d'années qu'il est là? Les Marocains ne se plaignent pas. Mais regardez le Maroc qui évolue. Le Maroc se développe. Le Maroc se développe parce que le Maroc, le roi marocain, il travaille. Et les Marocains ne se laissent pas manipuler. Pour dire qu'il a trop dit, Mohamed 6 ou 5 a trop dit le pouvoir, on ne veut plus voir son crâne. Mais c'est parce qu'ils sont sereins et ils ne sont pas perturbés. Le Maroc se développe. Allez-y voir l'Arabie Saoudite. Un bon Africain qui est musulman, il sera l'Arabie Saoudite. Avez-vous vu des coups d'État, des guerres civiles pour dire l'Arabie Saoudite? C'était le passé. Mais quand il y avait ces guerres civiles en Arabie Saoudite dans le passé, mais c'était un pays désertique, il n'y avait rien. Mais depuis qu'ils ont mis fin à cette histoire de guerre civile, depuis qu'ils ont mis fin à cette histoire de coup d'État dans ce royaume saoudien, et qu'ils ont créé une royauté, un pays royal, mais vous voyez, l'Arabie Saoudite est stable. Et l'humanité tout entière court pour aller faire son pèlerinage en Arabie Saoudite. La Mecque est là-bas, tout le monde parle là-bas. C'est un pays, on parle des pétrodollars. Ils sont riches, ils ont découvert des richesses. Et aujourd'hui, c'est le roi Mohamed qui est là-bas. C'est lui qui dirige le royaume saoudien. Les Saoudiens ne se plaignent pas. Ils sont riches et ils évoluent au Moyen-Orient. Mais c'est le pays, c'est l'un des pays le plus stable au Moyen-Orient. Parce qu'il n'y a pas de coup d'État. Partout, ils ont voulu le changement. Regardez la Syrie. Ils ont voulu le changement. C'est le chaos. Aujourd'hui, beaucoup de Syriens qui étaient dans la révolution, ils regrettent. Ils ont perdu leur maison, ils ont perdu leur bien, leur famille. Ils regrettent, ils pleurent. Si on savait, on n'allait pas faire révolte. Aujourd'hui, si on leur demande de faire encore révolte, ils vont dire, une révolution n'est pas bien. Ils vont refuser. Mais prenez le Mali. 5 coups d'État successifs. Est-ce que le Mali a évolué? Mais les djihadistes ont pris une partie et ils sont incapables de diriger le Mali. C'est le désordre. Les Burkinabés qui ont fait coup d'État, vous voyez le Burkinabé émerger? Vous voyez le Burkinabé émerger? Je ne suis pas là pour taper sur les Burkinabés, mais c'est un fait. Le Burkina n'émerge pas. Au Libéria, où il y a eu le désordre, révolution, Samuel et Doué, le Libéria, vous voyez le Libéria émerger? Sierra Leone, où il y a eu guerre civile, vous voyez Sierra Leone émerger. Mais en Centrafrique, où il y a toujours la guerre, vous voyez la Centrafrique évoluer. Écoutez-moi, au Congo, RDC, où il y a toujours la guerre, et tout, vous voyez le Congo émerger. Depuis que le Rwanda a connu la guerre, et que le Rwanda a eu son président, M. Paul Kagame, depuis qu'il est là, vous voyez encore le Rwanda dire révolution, coup d'État. Ils sont, parce qu'ils savent ce que c'est que la guerre. Ils savent ce que c'est qu'une guerre civile. Paul Kagame est là. Personne ne le conteste. Personne ne se plaint. Personne ne rêve de faire un coup d'État. Mais Paul Kagame construit le Rwanda. Il peut faire autant d'années qu'il veut. Les Rwandais, cela ne les perturbe pas. Cela ne les affecte pas. Et ils sont là, ils adorent leur président. Et leur président travaille pour les Rwandais. Alassane Ouattara est venu là. J'ai l'impression que les Ivoiriens ne connaissent pas ce que c'est que la souffrance. Ouattara travaille pour faire disparaître cette souffrance qui sévit en Côte d'Ivoire. C'est par manque d'éducation que les gens ils sont encore dans les rues. Et Alassane Ouattara a compris cela. Il ne fait que construire des écoles pour éduquer l'Ivoirien que tu es, que je suis. Les gens diront que non. Est-ce que c'est... Mais oui, les grandes personnes, les vieilles personnes. Il y a d'autres qui ont 60 ans, 50 ans, 40 ans, 30 ans, 25 ans, 70 ans.
qui ne comprennent pas, qui sont inconscients, qui se laissent manipuler, qui sont dans les émotions. Pourquoi? Parce qu'ils ont été éduqués comme ça au temps des régimes précédents. Dans les années 80, Babo les pilotait. Dans les années 90, on les pilotait toujours. Donc, ils ont été élevés dans les émotions. Aujourd'hui, vous les voyez, ils ont 50 ans, 60 ans, 40 ans. Ils sont toujours dans les émotions. Quand tu veux les faire, tu veux les faire raisonner, tu veux pousser les ménages très loin pour qu'ils réfléchissent, ils ne comprennent pas. Ils sont dans les émotions parce qu'ils ont été élevés comme ça. Donc, ne soyez pas surpris. Si Soro et Blegoudé réagissent ainsi, c'est parce que ce sont des gens qui ont été éduqués comme ça. Ils ne connaissent pas ce que c'est que la paix. Ils ne vont jamais prôner la paix. Ils vont être toujours dans des discours guerriers. Mais nous les autres qui avons compris, nous les autres qui avons vite compris que Alassane Ouattara n'était pas un mal pour la Côte d'Ivoire, et que ceux qui sont les maux de notre pays, c'est ceux-là qui sont dans l'opposition. C'est ceux-là qui ont fait une coalition qui manipule les gens, les enfants des gens. Mais aujourd'hui, beaucoup ont été blessés parce qu'il y a eu un affrontement entre militants. Personne n'a envoyé les militants du RADP. Mais vous, on sait que des gens vous ont envoyé. Donc, des gens que vous attaquez, mais ils ont le droit de s'auto-défendre. Donc, ceux que vous avez attaqués, ils se sont défendus. Il y a eu des blessés. Que ce soit du côté du RADP ou du côté de l'opposition. Mais vous, opposants, ceux qui vous ont envoyé, est-ce qu'ils sont venus vous apporter un soutien? Que ce soit un soutien financier, un soutien moral. Rien du tout. C'est vos propres parents qui vont souffrir. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont eu des os cassés, des pieds cassés. Mais ceux-là, quand ils vont aller à l'hôpital, pensez-vous que un franc venant dans les poches, venant des poches d'un candidat opposant à Alassane Ouattara, va aller soigner ce dernier? Non. Ils vont laisser ce dernier. Ses propres parents vont souffrir. S'ils n'ont rien, il va mourir. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, vous luttez pour des gens que vous ne connaissez pas. Vous luttez là, vous luttez pour qui? Aujourd'hui, parmi vous, si on demande à quelqu'un, mais vous êtes dans les rues là, c'est pour qui? Vous voulez qui? Qui n'a qu'à devenir président? Chacun de vous aura sa version. Parce que je suis convaincu que vous n'allez pas être unanime sur un seul nom pour dire si Alassane Ouattara tombe, c'est lui-là qu'on veut qu'il soit président pour tous les Ivoiriens. Chacun de vous aura sa version. Ça veut dire, vous luttez, mais vous ne luttez pas pour la même cause. Vous ne luttez pas pour la même cause. Vous ne luttez pas pour un seul candidat. Parce que pour vous, ceux qui vous envoient, ils ne vous envoient pas en étant éclairés. Ils vous envoient en vous mettant dans l'obscurité, d'après Melekri, dans l'obscurité. Et donc, étant dans l'obscurité, chacun de vous ne sait même pas pourquoi il lutte. Et vous êtes en arrêt. On veut libérer ce pays-là. La Côte d'Ivoire nous appelle. La Côte d'Ivoire t'a appelé sur quel numéro? Dis-moi le numéro. C'est quel numéro? Donnez-moi le numéro de la Côte d'Ivoire. Je vais bipper aussi la Côte d'Ivoire pour dire, mais écoute, pays Côte d'Ivoire, tu appelles mon peuple pourquoi? Tu as quel problème? Explique-moi ton problème, je vais voir clair dans cette histoire. C'est vous seulement, la Côte d'Ivoire vous appelle. C'est vous seul qui êtes ivoirien. Donc c'est vous qui avez le droit d'avoir le numéro de la Côte d'Ivoire. Mais les autres n'ont pas le droit d'avoir le numéro de la Côte d'Ivoire. Montrez-moi le numéro de la Côte d'Ivoire, je vais biper la Côte d'Ivoire tout de suite. La Côte d'Ivoire ne vous appelle pas. Ce sont des individus mal intentionnés, des petits politiciens véreux, égoïstes, des égocentriques, qui vous manipulent, qui utilisent le nom de votre pays, la Côte d'Ivoire, pour vous dire la Côte d'Ivoire vous appelle. Eux-mêmes, ils ne connaissent même pas le numéro de la Côte d'Ivoire. Ils inventent des slogans, des mots pour vous manipuler. Ils inventent des phrases pour vous manipuler. Mais en réalité, la Côte d'Ivoire ne vous appelle pas. La Côte d'Ivoire est là et ce pays a besoin de tranquillité. Qui est la Côte d'Ivoire? La Côte d'Ivoire, c'est toi, c'est moi. La Côte d'Ivoire, c'est l'autre. Donc, nous sommes tous en la Côte d'Ivoire. Et donc, les habitants de cette Côte d'Ivoire s'appellent les Ivoiriens. Est-ce que vous comprenez? Parce que le vide ne peut pas s'appeler la Côte d'Ivoire. C'est l'ensemble de tout un peuple qui prend le nom et qui attribue le nom à un territoire bien défini.
Et c'est ce peuple qui se définit des lois. On appelle ça la constitution. Et donc, au sein de ce grand cahier fait par le peuple, se trouvent des règles, des lois, des articles qui accompagnent ça, pour permettre à ce peuple de bien vivre et ne pas déranger les autres. On appelle ça les lois de la société. Donc, la constitution est l'acte de naissance de tous les Ivoiriens dans leur ensemble. Donc, nous avons un acte de naissance en commun qu'on appelle la Côte d'Ivoire, qu'on appelle la Constitution. Et c'est cette Constitution qui nous permet d'avoir un pays. Mais si il arrivait qu'on disait que bon, les Ivoiriens quittent ce pays, c'est-à-dire tous ceux qui résident sur ce territoire, c'est 322 462 km², on enlève tout le monde. Est-ce que vous pensez qu'ils vont encore appeler cet endroit vide de la Côte d'Ivoire? Non. Parce que ça va devenir un endroit néant qui ne portera plus le nom Côte d'Ivoire. Parce qu'avoir encore le nom Côte d'Ivoire, ça ne sera plus rien. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est vous qui êtes la Côte d'Ivoire. Je suis la Côte d'Ivoire. Et donc, on ne peut pas sélectionner quelques individus pour dire la Côte d'Ivoire vous appelle. Qui vous appelle? Toi, tu t'es appelé? Est-ce que c'est toi-même qui t'es appelé? On va libérer la Côte d'Ivoire. Tu libères quoi? Qui a pris la Côte d'Ivoire en otage? Quelqu'un t'a pris en otage? Quelqu'un t'empêche d'atteindre ce que tu as envie d'atteindre, ton objectif? Qui t'empêche? On va libérer la Côte d'Ivoire. Donc, ceux qui dirigent la Côte d'Ivoire, ils sont quoi? Mais ce sont aussi des Ivoiriens, c'est leur patrie. On va libérer ça en bon. Donc, c'est toi seul qui dois gouverner le pays. Les autres aussi n'ont pas le droit de gouverner. Mais si tu dois libérer la Côte d'Ivoire, va dans les unes. Je salue le discours du représentant de la CEDEAO. Je salue son discours. Il a dit, je ne sais pas si c'est l'Union africaine ou la CEDEAO, qui a dit ceux qui sont dans les rues, qui brûlent les biens des personnes, qui allument les magasins, les véhicules et qui sèment le chaos, ce sont des acteurs criminels. Lui qui veut enlever Ouattara, qu'il aille aux élections. Mais Laurent Gbagbo avait dit ça dans l'une de ses vidéos. Que ceux qui pensent que le pouvoir s'acquiert par la violence font une erreur. Et que le pouvoir s'acquiert en allant aux élections. Donc, suivez la philosophie de votre soi-disant maître. Parce que c'est parce que vous avez épousé sa vision que vous êtes pro-Gbagbo, vous êtes des gants. Donc, vous ne pouvez pas dire le maître vous a convaincu. Et que vous suivez la politique du maître. Et en même temps, aller contre les discours du maître. Alors, tu ne peux pas dire que tu es Socrate et désobéir la philosophie de Socrate. Tu dois suivre ses pensées. Et donc, lorsqu'on adhère au sein des partis politiques, c'est parce qu'on a été séduit par la vision de ce parti politique. Mais qu'est-ce que c'est qu'une vision? La vision, ce n'est pas le fait de regarder seulement. Non, 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 ce n'est pas la vue, mais ce sont les pensées. Qu'est-ce que ce parti projette? Qu'est-ce que ce parti prône? La philosophie, l'art, la science, la capacité, ça peut être la projection physique, la projection idéologique et la projection verbale. C'est tout cet ensemble qui forme un parti politique. Et lorsque tu es convaincu, tu analyses ce parti sur toutes ses formes. Une fois convaincu, tu dis, moi, à partir d'aujourd'hui, je suis militant ou je suis membre. Ou soit tu n'es pas membre du parti, mais tu dis, je deviens le défenseur de ce leader parce que j'ai été séduit pour ses pensées. Le jour où il ne sera plus là, je quitte le parti. C'est comme ça. Parce que ce n'est pas le parti qui t'intéresse. C'est l'individu, sa vision. Parce que tu as été séduit, tu as été vraiment abasourdi de voir quelqu'un que tu n'as jamais connu dans ta vie prôner une philosophie, prôner une vision. Ou un art que tu viens de découvrir. En ce moment-là, tu es séduit et tu dis non. Moi et cet individu, on meurt ensemble. On est ensemble. Mais ceux qui vous envoient, ils vous promettent. Moi, j'ai le programme d'Alassane Ouattara ici. Hein. Son livre, ce qu'il prévoit de faire. C'est-à-dire, ces mandats qu'il avait fait dans la Deuxième République, on sort de là. Alassane Ouattara, il veut encore appliquer une nouvelle politique pour sa première candidature de la Troisième République. Une fois victorieux,
Le 31, dans peu de temps, bien sûr. Je pense que ça vaut maintenant, dans 2 semaines. Oui, dans 2 semaines, il sera le président. Même, ça vaut même pas 2 semaines. 1 semaine au moins, 4 jours, 1 semaine, 5 jours, les élections auront bel et bien lieu en Côte d'Ivoire. Une fois élu président de la République, parce que je suis convaincu qu'il sera élu, il sera le futur président de la Côte d'Ivoire. Et pour tous les Ivoiriens et toutes les Ivoiriennes, pour leur bien-être, hein, social et tout. Mais ça sera une nouvelle politique. C'est-à-dire, tout ce qui est produit, qui vient de la Côte d'Ivoire, sera transformé sur le territoire national. Et cela va créer des emplois. Ce n'est pas emploi, vous cherchez. Mais c'est ce que Ouattara, il veut faire maintenant. C'est la politique sociale qu'il veut faire. Il avait commencé avec la politique du développement. Maintenant, son dernier mandat, il veut maintenant faire la politique sociale. Mais laissez-le faire. C'est travail, vous cherchez, Ouattara veut vous donner travail. D'abord, parce que dans la vie, il faut un sacrifice lorsqu'on veut atteindre un objectif. Mais c'est le sacrifice qu'il a fait avec le peuple ivoirien. Développer d'abord la Côte d'Ivoire. Garantir que la Côte d'Ivoire est un pays stable, un pays développé. Et faire séduire les opérateurs économiques. Les faire courir pour venir en Côte d'Ivoire investir. Les autres citoyens qui ne sont pas ivoiriens, lorsqu'ils vont voir la Côte d'Ivoire, ils vont dire, ah, c'est un bon pays, c'est bien construit, on peut aller faire du business, on peut aller investir là-bas. Et c'est cette image que Alassane Ouattara a fait défiler aux yeux de l'humanité tout entière. Une fois que cette politique réussit, Alassane Ouattara veut maintenant appliquer une nouvelle politique. La politique sociale. Transformer le cacao, transformer le café, la nacade, le palmier à huile, tout ce qui sort de la Côte d'Ivoire sera transformé. Des usines seront construites pour que les Ivoiriens, que tu es, que je suis, puissent aller travailler là-bas. Ce n'est pas le travail que tu veux, mon frère, ma soeur. Où le cacao est produit, il aura des usines de cacao là-bas. Comme ça, ceux qui produisent ces cacao-là, ils vont, leurs enfants vont travailler sur place. C'est la région, les différentes régions d'où viennent les cacao, où le cacao, ils vont construire des usines là-bas. Pour pousser la population de là-bas de devenir chocolatier ou chocolatière. Ceux qui produisent anacarde, ils vont construire une usine d'anacarde, ils vont travailler là-bas leurs enfants. C'est parmi à eux qu'ils veulent faire, mais ils vont faire ça. C'est coton, mais ils vont faire des usines pour transformer le coton en tissu, en truc. Et les enfants vont travailler là-bas. Vous ne voulez pas ça aussi. C'est la pêche que vous faites. Mais ils vont développer la pêche dans votre secteur. Les enfants de là-bas, ils vont aller pêcher. Leurs poissons seront bien payés par le gouvernement. Qu'est-ce que vous voulez encore? Non, Alassane nous énerve, il est burkinabé. Mais si le burkinabé, il est plus compétent, il est plus important que lui-même qui est de ton pays, tu fais comment? Vous parlez des États-Unis, vous rêvez des États-Unis. Mais les Américains, ils n'ont pas un esprit si bas que les autres nations. Voilà pourquoi ils sont la première puissance du monde. Parce que eux, là, ils ne réfléchissent pas pour dire non, tu n'es pas américain d'origine, tu n'es pas américain. Non, eux, là, c'est le cerveau, ils regardent. Est-ce que tu es américain d'origine ou pas? Ils s'en foutent. Si tu as quelque chose dans ton crâne, ils disent viens petit. Même si tu es au fond du village, d'un autre pays, c'est eux-mêmes qui vont aller, ils vont tout faire pour te prendre. Et le pays auquel ils vont t'arracher, c'est ce pays qui va se plaindre. Non, ils sont là volés, nos cerveaux, ils sont là volés. Mais oui, une bonne nation, c'est comme ça, elle doit fonctionner. C'est là qu'il faut voler les cerveaux des autres nations pour pousser ta nation à se développer. Parce que son art et sa connaissance, il ne mettra pas ça à la disposition de sa propre nation. Il mettra son art à la disposition de toi qui l'as recruté. Il va travailler pour ton pays. Donc, entre ton pays et l'autre pays, qui des deux qui perd? Mais c'est l'autre. Où il est né, où il a grandi, où il a tout fait. Maintenant, au moment où il doit apporter quelque chose de bien, il fuit ce pays pour venir apporter et développer ses connaissances qu'il a en lui, aller développer une autre nation. C'est l'autre nation qui doit souffrir. Donc, si vous pensez qu'Alassane est burkinabé, et que ce qu'il devrait apporter au Burkina, il apporte ça à la Côte d'Ivoire, on doit l'applaudir. Et ce sont les burkinabés qui devraient se plaindre. Pour dire, mais Draman, qu'est-ce qu'il fait?
Au lieu de venir développer le Burkina, c'est la Côte d'Ivoire qui s'en va développer. Ils mettent des ponts, ils créent des routes, ils développent un truc, l'aéroport, le port. Mais Ouattara, il nous énerve. Ce Ouattara, si on le voit, on va lui faire la peau et tout. Mais c'est eux qui devraient se plaindre. Mais ils ne se plaignent pas. Et nous qui les l'a servi, c'est nous on se plaint. Vous avez déjà vu Ouattara créer Ouaga 2000. Mais c'est Soro qui est votre propre fils là. Je dis bien Soro Guillaume. Que vous, c'est notre fils, il est le digne fils du père que c'est tout coup. Soro Tieni Guanani, c'est lui, il allait créer un grand quartier au Burkina. On appelle ça Ouaga 2000. Chose qu'il n'a jamais faite en Côte d'Ivoire. Donc, au lieu de mettre ses connaissances à la disposition du peuple ivoirien, lui, il s'en va donner son Burkinabé. Donc, entre un Ivoirien, qu'est-ce que vous dites, il est digne fils, il est digne, et puis il prend tout en Côte d'Ivoire pour donner au Burkinabé. C'est eux qui profitent de ça. Et lui que vous dites, il n'est pas le digne fils, au lieu de développer le Burkina, non, il ne fait pas. C'est la Côte d'Ivoire, il vient donner tout. Entre les deux là, tu préfères qui? Tu dis, c'est mon frère. Bon, ton frère, ton propre frère, il n'y a pas de souci. Au lieu d'aider les gens de ta famille, il s'en va aider les gens d'une autre famille. Et lui qui n'est pas ton frère, qui est éloigné de ta famille, c'est lui qui prend en charge tous les membres de ta famille. Il fait tout pour eux et il se bat pour qu'ils soient bien, pour qu'ils soient respectés. Entre ton propre frère et l'autre, tu préfères qui? Tu préfères qui? Écoutez-moi, non, c'est lien de sang. Toi qui penses ainsi, c'est que tu n'as rien compris de la vie. Lien de sang ou pas, on s'en fout. Lui qui fait ton affaire, c'est lui. Tu dois comprendre. Lui qui se bat pour ton bien-être, c'est lui. Et non, c'est ça, lien de sang, on n'a rien à foutre. Dans ce monde, c'est ça. Et c'est ce que les Américains font. Ils recrutent tous les bons cerveaux du monde. Voilà pourquoi ils disent boost. On donne boost. Mais vous pensez que dans cette histoire de donner boost aux gens, c'est gratuit. Mais quand tu as la boost, c'est parce que tu es intelligent. C'est parce que tu as beaucoup travaillé parmi tant d'élèves et tout. Tu as été le meilleur. Donc, tu gagnes ta bourse. Et quand tu gagnes ça, eux, ils te recrutent. Ils disent, viens étudier aux États-Unis. Pendant que tu étudies là-bas, ils voient. Petit là, il est dangereux. Lui, on va le recruter, on va l'amener à la NASA. Ils te font caler à la NASA, ils te payent bien. On dit, travaille pour les Américains pour qu'ils soient toujours numéro un dans le monde. Et toi, ta connaissance, au lieu de mettre ça à la disposition de ton pays, tu donnes aux Américains. Et tu rends encore l'Amérique puissante. Mais tu ne verras jamais un Américain dire, c'est un étranger. Non. Au contraire, ils sont contents. Quand tu veux partir, ils font tout pour te maintenir. Mais Barack Obama, vous direz que non, c'est un métis. Ah, mais c'est un métis. Un père kenyan et une mère américaine. Cela n'a pas empêché les Américains de le mettre. Parce qu'ils voyaient en lui quelqu'un qui allait leur apporter quelque chose. Et c'est en Côte d'Ivoire. Non, son père n'est pas ivoirien ou bien sa mère n'est pas ivoirienne. Si tu veux être président, il faut être de mère et de père. C'est ça. Mais ceux qui ont été de mère et de père ivoiriens, là, ils ont apporté quoi à la Côte d'Ivoire? Voilà la question fondamentale. Il ne s'agit pas de transition. Les autres pays, est-ce que toi tu as les autres pays? On parle de la Côte d'Ivoire, on ne parle pas des autres pays. Et les autres pays qui appliquent ça, ils ont évolué comment? Vous les voyez se développer? Est-ce qu'ils se sont développés? Ils ne se développent pas. Quand tu es dans un système et que ça ne marche pas, quitte là-dedans. Au lieu d'être dans un système où tu t'enfonces, parce que les autres pays le font, donc toi aussi tu dois le faire. Mais quand les autres pays le font là, quand tu vois leur exemple là, est-ce que c'est un exemple à suivre? Ils sont dans un mouvement, ils évoluent pas, ils reculent pas, ils sont là. Et tu dis non, c'est ça, on doit suivre. Mais toi-même, peut-être tu es un petit idiot, tu ne comprends rien de la vie. Est-ce que tu comprends? Et donc, quand un système n'est pas bien, il faut l'annuler, il faut l'effacer pour remettre le pays sur pied, mettre un nouveau système sur pied. Donc, à partir d'aujourd'hui, pour être président de la République de Côte d'Ivoire, il faut être de mère ou de père ivoirien. Et grâce à ça, beaucoup d'États-Unis aujourd'hui se sentent heureux d'apporter leurs connaissances. Parce que, imaginons, quelqu'un qui est un père ivoirien et qui n'a pas une mère ivoirienne, qui veut être président parce qu'il connaît beaucoup de choses dans le monde, il a des compétences dans tous les domaines, mais vous bloquez ce dernier parce que sa mère n'est pas ivoirienne. Donc, ses connaissances, il ne peut pas apporter ça à la Côte d'Ivoire. Et d'autres nations le recrutent pour aller donner ce qu'il sait.
ce qu'il connaît de trop, et il développe d'autres nations, et il laisse la Côte d'Ivoire et des petits voyous qui sont incapables mais compétents parce qu'ils ont mère et père ivoiriens et ivoiriennes. Ils sont là, ils sont au pouvoir et puis ils ne valent rien. Ils volent seulement. Or, lui qui n'allait pas voler, lui qui n'allait pas piller, quoi que ce soit, vous le laissez à l'étranger. Et les gens profitent de lui. Voilà le système que la Côte d'Ivoire avait mis sur pied. Et ce système n'a pas profité à la Côte d'Ivoire pendant des décennies. Alassane Ouattara, étant un visionnaire, étant un voyant, il a vu, il dit non, on ne peut pas laisser des Ivoiriens, des gens les recruter et développer d'autres nations. Donc pour être Ivoirien, il faut être de mère ou de père. Est-ce que vous comprenez? Au moment où tu es Ivoirien, de père ou de mère, hein, si ton père est Ivoirien, ou si ta mère est Ivoirienne, tu es un Ivoirien, tu as le droit de diriger la Côte d'Ivoire. Tu as le droit d'apporter quelque chose de grand à la Côte d'Ivoire. Mais non, si quelqu'un qui n'est pas de mère et de père Ivoirien qui vient au pays, il va développer l'autre pays. Mais vous rêvez ou quoi? Vous rêvez? Barack Obama, quand il a gouverné l'Amérique, il a envoyé quoi au Kenya? Il sait que ce sont les Américains qui lui ont apporté la confiance. Il a dirigé, donc il a tout fait pour donner tout à l'Amérique. Il n'a rien apporté au Kenya. Il s'en fout. Mais Nicolas Sarkozy, il était quoi? Mais c'est un Hongrois. Mais c'est à cause de la France, il a fait les guerres partout. Pour le bien-être de la France, il n'a pas fait les guerres pour que la Hongrie puisse être bien dans la société, pour que la Hongrie puisse devenir première puissance du monde. Il s'en foutait des Hongrois. Parce qu'il sait que ce sont les Français qui lui ont accordé la chance d'être président. Donc, il se battait au nom de la France et au nom de tous les Français. Aujourd'hui, il est aimé beaucoup en France. Beaucoup réclament Nicolas Sarkozy. Mais comme il a des problèmes juridiques avec la justice, ça fait qu'il ne peut plus revenir peut-être sur la scène politique. Est-ce que vous comprenez? Et la nouvelle génération, peut-être, ne connaît pas qui est Nicolas Sarkozy, mais ceux qui étaient là connaissent bien qui est Nicolas Sarkozy. Pourtant, c'est un Hongrois. Manuel Valls, c'est un Espagnol. Emmanuel Valls, est-ce que vous le savez? L'ancien Premier ministre, Emmanuel Valls, c'était un Espagnol. L'ancien Premier ministre français, Emmanuel Valls, était un Espagnol. Mais est-ce que quand on l'avait choisi pour travailler pour la France, l'avez-vous vu aller travailler pour l'Espagne? Ils s'en foutaient parce que ce sont les Français qui lui ont accordé la chance. Donc, il travaillait pour le peuple français. Il a apporté tout ce qu'il pouvait apporter à la France. Maintenant qu'il n'est plus Premier ministre, et il s'est vu, il dit, bon, je me retourne en Espagne. Il s'est retourné là-bas. Donc, c'est comme ça. La Côte d'Ivoire était dans un mauvais système. Il faut le dire haut. Donc, quittez dans votre petite xénophobie. Quittez dans ça. C'est pas parce que tes parents sont de trucs pays différents que tu ne vas pas aimer le pays que tu veux aller gouverner. Jamais. Prenons le cas de Nathalie Yamb, cette femme camerounaise. Mais sa mère est suisse, son père est camerounais. Mais quand vous voyez dans l'âme qu'elle tape sur les Européens, elle n'a pas la langue de bois. Elle tape sur les Européens comme elle-même, comme si le sang européen ne coulait pas dans ses veines. Mais oui, mais quand elle prend position, il y a d'autres Européens qui sont choqués. Elle dit quoi? Mais c'est une métisse. Pourquoi elle peut taper sur nous comme ça? Et tout, elle lutte plus pour l'Afrique que pour les Occidentaux. Est-ce que vous le comprenez? Même si elle n'est pas d'accord avec Alassane Ouattara, mais quand je la regarde, elle lutte beaucoup pour l'Afrique que pour l'Europe. Elle ne dit pas aux Africains, allez-y vendre l'Afrique aux Européens. Non. Mais cette dernière, si vous la... Ah, elle est métisse, elle n'est pas... Non. Ça lui... Bonique Laverie, là, elle est quoi? Bonique Laverie qui est au sein du FPI, elle a son parti politique, mais elle n'a pas fait coalition avec le FPI de Gbagbo. Elle est quoi? Et votre Gbagbo, là, sa vision, c'est quoi? Vous dites, vous luttez pour l'impérialisme, non? Donc, Bonique Laverie, qui, elle, est métisse, elle pouvait dire, mais Gbagbo lutte contre les trucs, les Occidentaux. Moi, je ne vais pas faire coalition avec lui. Je vais faire coalition avec Ouattara. Parce que c'est vous qui dites que non, c'est Ouattara qui lutte pour le bien-être des Occidentaux. Donc, elle devrait aller rejoindre Ouattara. Pourquoi elle est avec Gbagbo? Donc, appartenir à deux pays différents
ne veut pas dire vendre le pays que tu as choisi. Ce sont des exemples que je vous donne pour que vos cerveaux puissent se réveiller. Vos cerveaux puissent travailler. Vous qui êtes les gars, vous, les gars. Vous êtes remplis en Europe ici. Vous avez des enfants, des femmes européennes, n'est-ce pas? Est-ce que j'ai menti? Vos enfants sont nés ici. Beaucoup n'ont jamais vu l'Afrique et tout. Ils connaissent pas. Même depuis leur bas âge, ils mettent dans leur tête. Les Européens ne sont pas bons. Les Blancs ne sont pas bons. Ouattara, ils mangent testicules déjà. Ouattara, ceci. Et vous les bernez. Et tant bébé, ils grandissent comme ça. Mais un jour, si ces enfants-là, ils veulent être présidents, parce que vous les avez expliqués, vous leur avez expliqué certaines choses du colonialisme, de la traite négrière, et qu'ils sont révoltés, ils se disent, bon, nous, on a étudié avec les Européens, on connaît leur système, où les enfants ont été, on a été aussi là-bas. Et donc, on sait comment ils réfléchissent, comment ils réagissent. Donc, on va utiliser cette intelligence pour développer les pays de nos parents qui se trouvent en Afrique. Et comme vous, petit idiot que vous êtes dans des systèmes qui ne permettent pas à vos pays de se développer. Vous dites non, hey, ta mère ou ton père n'est pas ivoirien, il ne faut pas venir ici. Oh, pourtant, c'est ce dernier-là qui peut vous sauver. Il a étudié avec ce que vous appelez l'homme blanc, ce que vous appelez les Européens. Ils ont étudié avec eux. Les grandes universités, ils sont allés là-bas ensemble. Ils connaissent comment ils réfléchissent. Puisqu'ils ont un côté des Européens. Ils connaissent comment leurs parents réfléchissent. Donc ceux-là, s'ils dirigent l'Afrique demain, ils savent comment les prendre, comment les manipuler pour essayer aussi de développer le pays d'où viennent leurs parents qui sont du côté africain. Mais si vous leur faites barrage, vous les combattez, mais ils seront obligés de s'associer aux Européens pour aller vous combattre, pour vous faire la misère morale. Et vous êtes choqués. À un moment donné, quand on est des êtres humains, on réfléchit. Non, c'est ci, c'est là. Et vous êtes dans des films, les gens vous manipulent. Sortez des rues. Personne ne peut vous apporter quoi que ce soit. Une fois qu'ils vont atteindre, ou bien une fois qu'ils atteindront leur objectif, ils vont vous délaisser. Personne ne peut venir frapper aux portes de vos parents pour dire merci pour votre bravoure, merci pour tout ce que vous avez fait. Oui, vous nous avez aidé à prendre le pouvoir, donc voici des enveloppes, ou bien voici des postes. Ils ne feront jamais ça, ils vont vous oublier. Et vous allez dire, c'est nous hier. Mais des gens qui se sont battus en 2002, en 2004 pour Gbagbo, aujourd'hui ils ont dit non, on a été déçus contre Gbagbo. Beaucoup regrettent. Mais ils faisaient ça parce qu'ils pensaient que dans leur tête, Gbagbo allait leur donner des emplois. Il n'a rien apporté, il ne leur a rien donné. Pour augmenter, il a amené Probo Kwala, c'est-à-dire déchets toxiques en 2006, pour les tuer. Beaucoup ont été déçus. Ils ont dit, mais Gbagbo, pourquoi tu peux? Oh, pourtant, Gbagbo, que vous dites, mais Ivoirienne, pas Ivoirienne, c'est lui qui a mis déchets toxiques pour tuer encore les Ivoiriens. Avez-vous déjà vu Ouattara? Vous pensez qu'Alassane Ouattara va accepter que Probo Kwala vienne en Côte d'Ivoire? Mais quiconque fera ça, il va le poursuivre. Même si c'est un Européen, il va le poursuivre. Vous connaissez Alassane? Il ne peut jamais accepter cela. Si c'est une société, il va poursuivre cette société. Et tous ceux qui seront impliqués dedans, qu'ils soient ivoiriens ou pas, il va les poursuivre, il va les arrêter. Il va bloquer leur compte bancaire. C'est Ouattara ceux qui peut le faire. Mais Gbagbo et ceux qui étaient là. Quand Probo Kwala est venu, déchets toxiques, il a poursuivi qui? Il a arrêté qui? Il a mis qui en prison? Il a chassé qui de son poste? Il les a laissés et tous, ils étaient à leur poste. Et il dit, c'est pas moi, demandez. Mais un chef d'État qui dit, c'est pas moi, demandez. Mais quel est ton rôle? Ton rôle, c'est de te protéger ton peuple. Et donc, s'il y a des microbes, s'il y a un déchet nucléaire, un déchet toxique qui vient dans ton pays, qui est un danger pour ta nation, tu dois réagir en tant que chef d'État. Mais tu ne dois pas tout laisser faire. Pour dire, c'est pas moi, c'est eux. C'est pas moi, c'est eux. Mais quel est ton rôle? Même si ça se passe au port. Si ça se passe au port, c'est ton équipe, grâce à ton équipe. Des gens se sont retrouvés au port. Même si le port n'appartient pas à la Côte d'Ivoire et que ça a été acheté par Bougui ou Bolloré, mais c'est un port qui est sur le territoire ivoirien. Et tout ce qui rentre doit être contrôlé pour le bien-être du peuple. C'est pas parce que le port n'appartient pas à la Côte d'Ivoire qu'ils vont envoyer de la coque pour pousser la jeunesse ivoirienne à signifier la coque. Jamais. C'est pas parce que le port n'appartient pas à la Côte d'Ivoire, mais se trouve sur le territoire ivoirien. Ils voient mener les déchets toxiques, les déchets nucléaires pour tuer le peuple ivoirien. Et toi, en tant que président de la République, tu ne fais rien. Et ce sont ces gens de personnes-là
C'est pour eux, un de ces pour elles que vous vous battez. Mais réfléchissez un peu. Avec la seule voie il n'y aura jamais de déchets toxiques. Quiconque, quelle que soit ta couleur de peau, tu envoies des déchets toxiques en Côte d'Ivoire, tu as un problème avec Ouattara. Il va te pousser, il va te traquer même dans ton sommeil. Tu vas rêver à Ouattara. Il ne va pas te laisser parce que tu as mis en danger les citoyens du pays qui dirige. C'est ça Ouattara. Ouattara, il n'est pas dans plaisanterie. Peut-être ça choque beaucoup. C'est la première fois de voir des Ivoiriens croiser tel président. Ils ne sont pas habitués. Ils sont habitués à des présidents qui dansent sur le bébé, le zougloubité, qui rigolent avec eux, qui ne foutent rien. L'Ivoirien aime trop la plaisanterie, il aime le jeu. L'Ivoirien aime tout ce qui est truc, danse, il aime trop jouer, tout ce qui est jeu. Donc pour la première fois dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, l'Ivoirien tombe sur un homme qui n'est pas dans amusement. Qui lui, son amusement, c'est de développer le pays. Ils sont choqués. Et de Ouattara n'est pas bon, il n'est pas bon, qu'est-ce qu'il vous a fait? Il est dictateur, mais toi, quand tu fous le bordel dans les rues, mais tu veux qu'on te caresse? Ah, tiens, toi aussi, tu es un être humain, il faut réfléchir quand même. Non, il est dictateur, il est ceci, il est... Mais tu sors, tu te laisses manipuler, tu casses, tu brûles le bus, tu brûles les magasins des gens, tu brûles le maquis, tu brûles les gars, tu brûles la maison des gens. Et quand on t'attrape, tu dis les dictateurs, ils ont mis mon frère en prison, mais ils ont mis ma soeur, mais ils ont fait quoi? Quand on fait des vidéos pour vous alerter, pour vous avertir, de prendre conscience, vous refusez. Mais là, quand ça devient pire, c'est là que vous criez, vous êtes ceci, vous êtes très mauvais. Écoutez, à un moment donné, vous êtes des humains. Es-tu esclave ou veux-tu être un haut cadre? Parce que ceux qui sont haut cadre, ils ont été comme toi avant d'être haut cadre. Il y a des gens, leurs parents n'avaient même pas un franc. Ils sont nés de familles pauvres et aujourd'hui, ils sont milliardaires. Ce n'est pas parce que tes parents sont pauvres que toi, ils vont te manipuler. Mon frère, suis l'exemple de ceux qui t'envoient. Parce que quand tu seras comme eux, ils ne t'enverront plus dans les rues. Ils vont avoir peur de toi. Ils vont parler avec toi. Ils vont partager avec toi de gré à gré. Ils ne te minimiseront pas. C'est parce que tu n'as rien. Ils pensent que tu n'es rien dans la société et tu ne seras rien. Donc pour eux, tu es un sacrifice. Ils t'envoient dans les rues pour aller manifester. Si tu es mort, tu n'es pas mort, ils s'en foutent. Que tu sois en prison ou pas, ce n'est pas leur problème. Leurs enfants qui leur coûtent autant cher. Vous savez ce qu'ils mangent ici? Ils mangent les pains perdus, les pains gagnés, les pains habillés, les pains rosés, les pains bénis, toutes sortes de pains, tous les noms que vous attendez là, c'est ce qu'ils mangent. Même enfants d'Européens ne mangent pas ça. Ils roulent dans des caisses. Quand je parle de caisses, ça veut dire des voitures d'un million d'euros qui vont à des milliards de francs CFA. Ils payent ça à leurs enfants et ça ne leur dit rien. Leurs enfants ici en Europe, ils ont des gardes de corps. Vous pensez que quoi? Gardes de corps, tu vas le payer ici, là, c'est combien? Mon frère, même salaire de fonctionnaire, truc de professeur à l'université, ça dépasse cela. Parce que lui qui va être garde de corps de ton enfant, tu ne peux pas lui donner 1000 euros, il va te dire tu as foutaise. Est-ce que tu comprends? Au moins, si tu ne lui as rien donné, c'est 1 million de francs CFA. Et qui fait à 1500 euros ou 1600 euros. C'est ça, il donne. Donc, il paye des vigiles. Ici, il leur donne de l'argent. 1 million de francs CFA, CFA, pour qu'ils surveillent leurs enfants. Et souvent, une personne peut avoir deux gardes de corps, deux vigiles. Donc, chaque mois, ils dépensent 2 millions. Oh, pourtant, toi, tu es là-bas, tu n'as même pas 100 francs pour manger. Si tu leur demandes 100 francs, ils vont te dire, va te faire foutre. Ils vont mal te parler. Même pour les approcher, là, c'est tout un problème. Mais ça ne leur dit rien de payer 2 millions pour la sécurité de leurs enfants. Donc, leurs enfants sont importants que toi. Toi, qu'est-ce qu'ils t'apportent? Qu'est-ce qu'ils te donnent? Rien, piquini, zéro. Ils s'en foutent de ta sécurité. Si tu mets ou pas, ce n'est pas leur problème.